Et donc salut tout le monde, c'est Flavien Suisse et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Empire Total War avec la Russie. Je crois malheureusement que ce soit le dernier épisode de cette fabuleuse série. Cette série qui aura duré 50 épisodes. Moi qui pensais que je finirais la série avant 50. Et non, je vous ai trollé. On va finir la série au bout de 50 épisodes. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'était passé précédemment? Oui, les Anglais avaient débarqué en Grèce, donc j'avais envoyé un peu d'argent. Parce que bon, je pense honnêtement, avec l'armée qu'ont les Grecs, ils vont faire du hachis. Bon, on va quand même donner un peu d'argent aux... Putain, je suis détesté. Je vais zapper que j'étais autant haï. Ouais, je te fais un petit cadeau. Par contre... Machine à vapeur. Oui, bon, ça va pas te servir à grand-chose. On va donner un peu de fric et on va se dépêcher de passer les tours. Allez, tout ça d'argent. Putain, ça fait beaucoup. Allez, Mentos premier, 58 ans, toujours vivant. Bon, j'espère juste que tu seras pas le dernier roi de Grèce. Non. Bon, de toute façon, on est bien d'accord que les Anglais garderont jamais la Grèce. Non, je comprends pas l'idée des Anglais d'envahir la Grèce. Tiens, ils ont réparé le port. Oui, alors les Autrichiens, je crois qu'ils sont en guerre contre l'Espagne. Oui. Et oui, l'Allemagne avait perdu la bataille d'Espagne, parce que les Espagnols avaient réussi à récupérer Madrid. Tout compte fait, je pense que les Pays-Bas, ils vont pouvoir ajouter l'Espagne à leur pays. Oui. Ouais, bon là, les Espagnols, je vais vous filer un peu de fric, puisque je suis un gentil monsieur, je vous rappelle. Donc, on note aussi que le Maroc est devenu autrichien, voilà, le Bleidart autrichien. C'est insolite, ça. Le Bleidart autrichien? Oh, c'est pas grave. Donc, faudrait que je ferai une petite vidéo pour expliquer qu'il n'y aura pas de série sur Empire tout de suite. Et donc là, les Indiens, ils font chier les mecs. Pourquoi je déclare pas la guerre aux mecs, juste pour voir? Attendez, je pense qu'on va tenter l'action. On va sauvegarder. Vous savez quoi? On va faire un troll. Russie 2. Je vais voir si l'Inde... Qu'est-ce qui se passe si je déclare la guerre à toi? Est-ce que... Ton copain va venir t'aider. Ça lag. Ah, le gros bâtard! Ça fonctionne! Ouais, bon, par contre, je lui mets comment? Bon, ça va. Bah, les mecs, Bon, on va aller détendre l'Indien, parce que je crois pas qu'il est content, l'Indien. Si, très amical. En même temps, ce que je viens de faire. Tarabai 3. Tu noteras, Tarabai, t'es juste un peu décalé. Bon, vous, il n'y aura pas de problème. Oula, je vais donner beaucoup de fric. J'aurais peut-être pas dû donner tout ça. Et attends, on peut faire du commerce avec les Espagnols. Tiens, vous avez changé le roi. Felipe. Tiens, il porte pas le même nom que le roi qui est en Espagne actuellement. Si, si, il porte le même nom. Tiens, pas le ton, allez, on va vraiment être sympa. C'est bien l'Espagne. Oh, quel grand bâtard. Alors là, c'est... je suis désolé, Sultan, mais là, tu vas te prendre tout dans la gueule. Alors là, j'ai des regrets. Pourquoi est-ce que je viens de tuer un mec? Le mec qui va se faire étriper par l'Inde. L'Inde, elle va prendre son pied, elle va l'écraser, quoi. Alors ça, j'ai des regrets, mais bon, je vais pas sauvegarder la sauvegarde pour un petit état. Alors, on nous reste moins de 3 ans, 6 tours il nous reste. Bon, ça étonnerait qu'en 6 tours, je me prends une déclaration de guerre dans la gueule. Oh, bon, si c'est le cas, je suis prêt à faire une autre guerre, vous savez. Bon, faudra juste que je fasse un 51e épisode, hein. Le mec, il rage. Eh, les Espagnols, vous en sortez bien? Bon, juste, vous avez plus d'empire colonial en Afrique du Nord. En fait, je me rends compte que je suis quand même un salopard. J'ai fait tomber tellement d'états. Faudrait... Est-ce qu'ils ont annexé? Mais non, mais je vous demande, je vous ai déclaré la guerre, c'est pas pour rien. Là, les mecs, il va y avoir la défi. Ah, les mecs, ils se sont pris une armée dans la face. Alors, la tour de précision. Une nouvelle sorte de tour qui fait la bonne viabilité. Ok. Cause naturellement, en général, est mort. Ah, oh, ben, tant pis, le héros d'Arménis est mort. Bon. C'est qui le mec qui va lui succéder? 65 ans, mais... Bon, on va faire peut-être arrêter de se foutre de ma gueule et de mourir des vieux. Alors, est-ce que je dois changer mon gouvernement? Oui, c'est vrai, toi, t'étais l'aristo. Pourquoi j'ai un aristo dans mon gouvernement, les gars? Tant si je remets. Oh, ça va. Ils ont bien aimé mes réformes. Voilà,
on fait pas du tout comme Hollande, on remonte les impôts quand tout le monde s'est détendu. Eh mais il a l'air super. Oh, moins 12 de couturier en la ville, alors que ça me coûte normalement. J'ai 49 d'argent pour surveiller la ville. Le truc est complètement con. Oui, bon, les Grecs, ce serait bien d'attaquer les mecs là. Je sais pas. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez, les Espagnols, en armée? Oh, oui, ça se voit beaucoup que... Alors, qu'est-ce qu'ont les Néerlandais, par contre? Ouais. Bon, là, par contre, la France, c'est protestante. Ça, j'y hallucine. Alors, qu'est-ce qu'on rapporte, nous? Excepté, on rapporte quand même, ils nous donnent 7000 de fric. Là, ça coûte, je rapporte 4000. Nickel. Attends, on va essayer de faire une opération de sabotage. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste? Pff, ils ont rien, les mecs. Je serais bien tenté un assassinat. Oui, mais bon, je tiens pas à perdre un agent en plein milieu de l'Inde. Bon, après, c'est pas moi qui me débrouille. Bref, je vous préviens, s'il meurt, c'est vous qui paye les funérailles. Le mec, il est en train de sauter ses 42 abonnés. Oups! Non. On se fait détecter. En même temps, bon. Il y a même pas d'armée indienne, ils sont... Comment ça se fait que vous êtes tombés en déroute? Les mecs sont tombés en déroute. Est-ce qu'ils sont pauvres? Faibles sans ressources. Ah bah oui. Ah bah oui, je vous envoie l'Inde dans la gueule, ça m'étonnerait pas. Ah, bon, ben... Qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, je me souviens, je m'étais fait une promesse dans cette série, comme vous pouvez voir dans la playlist de la série de la Russie. J'avais mis dans la description que je ferais en 100 ans de la Russie, ou dans la description de l'épisode 1, j'ai dit en 100 ans, la Russie sera un état puissant. Alors là, c'est pas forcément le tsar qui est puissant, c'est plutôt son héritage. Donc vous pouvez pas me dire que la Russie, là, c'est la première puissance mondiale. Je sais pas, je domine les trois quarts de l'Europe. Un autre truc que j'ai vu qui m'a beaucoup intéressé sur le Wikipédia d'Empire, oui, ça existe vraiment. T'as vraiment un mec qui a créé un Wikipédia. Oui, il y a même un Wikipédia pour Game of Thrones. Et si je spoil les... Moi, de toute façon, je sais rien d'avance. Par contre, si j'en vois un qui spoil, il se fait dire direct. Oula! Mon sac de portée dans la campagne, chétif! C'est des merdes, les gars, mais vous êtes des merdes! Oui, bon, les Indiens seraient bien attaqués. Les mecs, ils regardent les gars, je sais pas. On va voir s'il n'y a pas une armée indienne dans les environs. À Goa, il y a bien une armée. Et si fou. Les mecs, ils ont même pas d'armée, ça veut dire. C'est à eux de se démerder. Dans un truc que j'ai vu, il y a trois factions qui n'ont pas été ajoutées sur le jeu de base. Alors, il y a la Suisse. Voilà pourquoi vous dites où est la Suisse. Parce que vous voyez bien qu'à côté de l'Allemagne, eh ben, il n'y a rien. Oui, c'est tout juste. Parce que tout simplement, les gens qui ont créé le jeu se sont dit, ça servira à rien de mettre la Suisse. Vous êtes en train de me dire que ça sert à... Pourquoi ça sert à rien de pas mettre la Suisse? Parce que vous imaginez une série avec la Suisse, sachant que tu joues un pays neutre. Une faction avec la Suisse. Bon, après là, j'aurais peut-être autant sur ce jeu-là, ils auraient dû mettre que l'IA ne peut pas se faire attaquer par une autre faction, à part être plus loin dans le temps, mais... T'es sérieux? Et Starabay, tu peux envoyer plus que quelques pécores? Attends, le mec il... Normal. Le mec normal. Bon bah je vais attaquer la ville avec seulement 30 soldats. On sait jamais, ça peut fonctionner. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Non, c'est bon, le jeu ne lag pas. En Suède, est-ce qu'ils sont totalement croyants? J'ai dit, est-ce que c'est totalement croyants? 96%. Bon bah ça y est, on a converti Zlatan. J'ai perdu mon envoyé orthodoxe en Perse. Perdu mon envoyé orthodoxe en Turquie, enfin ouais non. Par contre j'en gagne un autre. Ça va. Je crois qu'ils sont tous convertis. 96%. L'islam, l'éclairage au gaz. Bah t'as qu'à péter, voilà, c'est plus rapide. Pire blague d'Europe. Alors mais qu'est-ce que vous faites? Je vais pas. Les mecs ils font rien alors qu'il y a une armée. Ils pourraient attaquer. Mais non. Je ne sais pas quoi dire. Ouais, bon, là, les Indiens, c'est vraiment pas futé. Qu'est-ce qu'ils ont, en plus? Qu'est-ce que vous avez en garnison? Ouais, bon, t'attaques avec des pécores, quoi. Faut peut-être pas se foutre de la gueule du monde. Bon, là, les Indiens. Je pensais pas que les Indiens, mais ça se trouve, en fait, t'as toutes les armées qui sont en train de se rassembler au nord en mode, nous arrivons, motherfucker. On veut construire des bâtiments. Alors, ça me fait quoi? Ah, mais en prestige de nation. Oui, donc, il y avait la Suisse. Il n'a pas été ajouté, parce que voilà, là, à l'emplacement de la Suisse, il n'y a rien. Alors que là, il doit y avoir une faction. Seconde faction qui a été refusée, c'est un Cana ici. Oui, est-ce que vous me dites à quoi ça sert? Bah, il y avait une faction qui aurait dû être ajoutée là, mais qui ne l'a pas été. Dernière faction qui n'a pas été ajoutée sur le jeu, la Toscane. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la Toscane?
Vous voyez la ville de Siena et la ville de Florence? C'est là, la Toscane. Voilà. Je vous ai appris un cours de... J'ai fait de la géographie pour une fois que je raconte pas de la merde dans mes vidéos, lol. Là, je remarque, j'ai une flotte qui... Je remarque, j'ai une flotte qui patiente dans le golfe de je ne sais plus où. Ouais, au large de... dans le golfe de Sicile, quoi. Je suis en train de penser à des mafiosos autrichiens. Je suis en train de penser aux mafiosos avec leur accent italien et leur bière. Ah, nous, ça va vous détruire en buvant une bonne bière. Ah, c'est... Vous imaginez le parrain en... dans ce monde. Ça serait trop drôle, maintenant. Bon, donc, je... ça se trouve, vous trouvez pas ça drôle. Bah, chacun son point de vue. Oui, donc en plus, il n'y a pas longtemps, là, j'ai appris sur Internet qu'ils avaient enfin libéré à Mossoul le musée qui avait été détruit par les djihadistes. Vous savez que je suis un grand passionné d'histoire et voir ça, ça me met mal à l'aise. De voir ces beaux monuments qui avaient des milliers d'années et t'as des mecs qui se sont dit on va péter ça parce que c'est avant l'islam, faut peut-être pas exagérer non plus. Je sais pas, il y a peut-être des limites à la connerie humaine. Oui, donc la flotte là, il va falloir que je la bouge. Alors je vais juste tremper mes... Voilà, comme ça l'expression. Oh, et bah dis donc, ils en gagnent du fric l'Autriche. Bon alors par contre, toi tu vas aller t'installer... Bah tu vas retourner... Tu vas aller là, voilà, à Ragouze. Mais bon là, les Grecs, vous foutez de ma gueule. Non, parce que vous aurez peut-être pensé à attaquer. Les Espagnols repartent à l'assaut. Ça veut dire, les mecs, on a quelques armées, mais non. Alors qu'est-ce qu'il y a dans votre armée? Bon, ça peut passer. Bon par contre, bonne chance pas vous voter. Bon ben, dans moins de 3 tours, on aura fini la série. On est 40 minutes, nickel. Bon, je sais, l'épisode va être un peu ennuyant de faire que ça de l'épisode, mais vous voulez que je fasse quoi, sérieux? Bon, en Inde, visiblement, les mecs, ils sont en train de perdre du temps. Les mecs, ils sont en train de se faire chier à détruire des petites poches de résistance, quoi. Vous pouvez essayer de faire du sabotage. 42%! Oh, on a pété quoi, en fait? C'est con, mais on a pété quoi, les mecs? J'ai pété la grande exhibition, c'est-à-dire les gens, ils vont pas être contents. Ah non. Alors là, mon agent est un thug. En plus, il a 43 ans. Robert Karpenko. Voilà, c'est bien cliché comme nom. Mais d'ailleurs, je me dis vraiment, est-ce que je vous ferai... demandez-moi dans le, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un référendum. Alors, vous me dites, oui, j'aime la démocratie. Donc, ce que je veux faire, c'est des référendums pour les séries. Bah oui, fort. Souvent, c'est un peu chiant que t'as des gens qui choisissent une faction. Pikni, douille, c'est toi que je prendrai. Ah bah ok, c'est toi. Non, j'ai envie d'être un peu plus démocratique sur cette chaîne. Ouais, mais voyons, j'ai jamais été un tyran. Bah, la preuve, avec l'Autriche-Hongrie, je suis devenu une démocratie. Ouais, après c'est... Ouais. Donc, je pense que ce qu'on va faire... Donc, je dis, on va faire un référendum. Alors, je résumerai dans une autre vidéo ce... Mais il est con. Mais le marat est débile. Le mec, il passe à côté de la ville et il fait rien. Oh, je devrais peut-être prendre la ville, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Il y a 5000... Les mecs, qu'est-ce que vous faites? Il y a 5 milliards de soldats indiens sur Terre. Ah, les Indiens, ils ont tout rappliqué. C'est-à-dire, les mecs, ils ont vu leur ils ont vu la ville attaquée. Ils ont pas aimé que Goa soit attaqué. Encore un mec qui meurt. Igor Poutine. Ah, c'est... Il meurt, lui aussi? Oh non, Poutine est mort! 39 ans, voilà, toi, à moins que tu te prennes une fourchette dans la tête, je vois pas comment tu peux mourir. Un don pour s'attirer des ennuis, plus 2 de superfuge. Le mec, il est quand même ingénieux. Et on est à... Je crois, le prochain tour, c'est la fin de la série. Fin de l'année 99, voilà, donc ce sera la fin de la série. Donc alors, qu'est-ce que vous avez en Inde pour pas faire les cons? Ok, je... Les mecs, vous êtes vraiment sérieux? Vous pensez prendre une ville comme ça? Sabotage. On répète. Je suis en train de tout péter. Parce que le bâtiment, ils l'ont réparé. Ah non, je suis en train de péter tout un bâtiment entier juste pour me faire chier. Bon, là, je pense que prochain tour, c'est fini pour eux. Attends, les mecs, ils vont se faire exterminer. Plus un de superchuge. Bon saboteur. Ah, c'est bien, tu sais bien doser la dynamite comme tonton Igor. Parce que tonton Igor est mort tragiquement en faisant sauter son appartement. Malheureusement, c'est ça. Alors, je regarde sur une carte. Oui, est-ce que on peut considérer que la Slovaquie est... Oui, la Slovaquie est bien autrichienne. Non, elle est allemande. Non. Alors, rappelez... Alors, la Bohème, elle est là. Donc là, c'est les Sudètes par là. Ouais, donc j'ai bien fait sur la carte. Oui, est-ce que je continue le système des cartes de fin?
Visiblement, vous avez bien aimé le dernier épisode sur Darkest Tower, donc il n'y a pas de raison que ça soit un problème. Bon, bah, regardez ça au niveau du prestige, et ben, il n'y a pas à dire, on est la première puissance mondiale. En même temps, avec 5000 points et les Anglais qui font rien. En même temps, les Anglais, on les a... Bon, vous, les mecs, faudrait peut-être pas se foutre de ma gueule, hein. Je sais pas, vous pouvez reprendre l'île. Bon. Alors, on a 5289 points, on est économique à 688, armée, on est les meilleurs. Bizarrement, je crois que les Indiens ont perdu quelques divisions. Alors, marine, c'est les... C'est qui a la meilleure marine? Ah, c'est moi? Attends, j'ai la meilleure marine du jeu. J'ai rien fait. Alors, c'est quand même les Anglais, deuxième plus marine du monde. En fait, là, le problème de ma marine, c'est qu'elle a jamais combattu. Ce qui fait que la scène, elle est complètement loufoque. Troisième puissance mondiale, c'est les Rosbif. Quatrième, les Allemands. Cinquième, les Autrichiens. Sixième, l'Espagne. Et septième, les Pays-Bas. On dirait pas, mais les Pays-Bas... Ouais, les Espagnols, c'est pas vraiment bon. Les Prussiens, tu vois vraiment que c'est pas la Kriegsmarine. La Kriegsmarine, encore. Bon, ben, le président Adrien Ganelin va voir un début d'un nouveau siècle, avec ses rides bizarres. Est-ce qu'en Grèce, ils ont changé de dirigeant ou il est pas mort? Normantos premier vit toujours. Bon, bah, ça y est. À 16 minutes de vidéo, ce sera un épisode assez court. Alors, d'ailleurs, je me souviens encore, et je revois souvent sur ma chaîne, la vidéo que j'ai tournée sur Harry Potter et Prisonnier d'Azkaban. Épisode qui a duré 3 minutes. Alors, je vais vous expliquer si certains n'ont toujours pas compris. Qu'est-ce que fout cette flotte espagnole? Les mecs, ils se disent, bon Dieu, on va traverser la Méditerranée comme ça. Donc, j'avais fait un épisode 3 minutes parce que mes tentatives de faire un épisode de plus de 10 minutes, eh ben, c'était un crash. Donc, je me suis dit, 3 minutes, ça passe. Mais bizarrement, ça a passé. Bon, ben, en tout cas, je ne donne pas, alors, si on devait, alors, un truc, je pense, à chaque fois que je fais une campagne ou que je fais un jeu comme ça, je me dis, à quoi ressembleraient nos vies dans ce monde? Parce que visiblement, là, on n'est pas vraiment dans une... Mais ils sont cons. Mais vous êtes cons, l'armée, elle est... Mais qu'est-ce qu'ils font, les Indiens? Les Indiens, ils s'emmerdent tellement qu'ils veulent piller, tuer, violer, juste pour le plaisir. Quoi, on veut pas passer notre temps, attends. Attends, il y a toute l'alliance qui réplique. Oh non, il y a toute l'alliance qui réplique. Continuez, voyons. Ah, j'ai fini les canons. Ok. En plus, c'était les élections. J'ai nickel. Oh, oui, bon gouvernement. Oui, bon, désolé, je sais pas pourquoi les cinématiques bug. Ça, c'est complètement con. Que de base, le jeu est censé fonctionner. Je tiens à rappeler. Ministre. Bon. Je vous donne tous un bonbon. Et voilà, donc on se retrouve à la fin de ce siècle. Le 18e siècle, le siècle des Lumières. Et, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Continuez à gagner des points! Attendez, j'étais à 5289, maintenant je suis à 5000... Alors, je pense qu'un jour, je ferai une campagne avec l'Allemagne. Mon objectif, ce sera de refaire le Troisième Reich. Oui, alors, je vais reformuler ma phrase. Mon objectif, ce sera de faire un empire qui s'étale sur toute l'Europe, jusqu'à Moscou. Est-ce que là j'ai bien formulé cette fois ou ça passe toujours comme un... Ou ça va mal se pas... Ou vous comprenez pas? Je pense que normalement vous devez comprendre. Bon alors, qu'est-ce que vous avez les Indiens pour pas attaquer? Mais c'est pas compliqué, vous avez des épées. Sérieusement? Vous recrutez de la paysannerie armée? Vous avez rien à foutre les mecs? Putain, et Tarabay, tu vois bien, c'est pas une dirigeante. Statu quo, ouais. Statu quoi, elle bouge pas à grand chose. Ah, déjà 56 ans, la reine. God save the queen. Ah, merde, c'est vrai, c'est pas la bonne queen. Et on va passer le dernier tour. Alors d'ailleurs, quand vous commencez à passer au-dessus de 1800, ça commence à laguer sévère. Pourquoi? Eh ben, c'est parce qu'il y a des factions qui spamment les armées ou qui sont trop grands. Bon là, actuellement, ça va au niveau des lags. Mais, je me souviens, j'ai fait une campagne avec l'Inde. Les Pays-Bas dominaient la moitié de l'Europe de l'Ouest. Enfin, la quasi-totalité de l'Europe de l'Ouest même. Et ils faisaient laguer le jeu. Donc le problème c'est que les tours ça passait plus. Donc j'ai dû enlever cette campagne. Vous vous rendez compte que l'IA m'a fait chier parce que l'IA faisait ses andouilles. Je crois que le jeu supporte pas. Je crois que c'est très rare que j'ai dépassé la 1800. En même temps, des factions elles sont impossibles à jouer. Enfin, ça se trouve c'est parce que je joue très mal, mais quand même. Les Allemands ils ont aucun respect. Ah c'est ça les. Ah mais c'est pas trop tôt. Ça y est, Nissor est tombé. Oh putain, les mecs, vous avez mis 3 ans
Ça, j'ai déclaré hier, il y a au moins 3 ans. Vous êtes même pas foutu d'en lire un pays. Un pays de la taille d'une mouche. Bon, déjà, pour ceux qui habitent au Mysore en Inde. Voilà, on a fini la charnelle. Est-ce que la profession les aime? Bon, après, là, le problème que l'Inde a, le Mysore est détruit, ça, je m'en fous. La pile voltaïque. Ah oui, Volta, machin, voilà. Bon, donc, résultat, je suis en guerre. Ouais! Je suis une dictature! Attends une minute, mais c'est complètement faux! Un homme m'accuse de dictature? Mais non, mais attendez, les mecs, c'est faux, je suis pas une dictature! Non, mais je vous promets, je ne suis pas une dictature, on respecte les droits de l'homme ici! Ça se trouve, je ne sais même pas si la démocratie est respectée dans ce pays, tout simplement. Bon, ben, 1800, 1er janvier, on pète des bouchons de bouteilles en Allemagne, on boit de la bière en masse. Bon, normal. Et les Anglais qui n'ont toujours pas fait leur putain de statu quo de merde avec les Grecs. Peut-être penser à faire quelque chose. Bon ben, je pense que je vais peut-être essayer de continuer la campagne en off pour une petite domination du monde. Ouais, je pourrais peut-être essayer d'envers l'Angleterre. Ah, les Ruskoff en Angleterre, hein, ça pourrait être intéressant. Ouais, bon, par contre, ouais, je pourrais faire aussi une barration, c'est-à-dire envers toute l'Europe de l'Ouest. Oui, je pense que de mon côté, je ferais des petites campagnes comme ça. Bon, je vais sauvegarder, parce que je vais peut-être la... Peut-être faire mon plan pour libérer bien sûr la Grèce. Et je vais enlever mon autre sauvegarde. Donc, une magnifique série vient de se terminer. Malheureusement, au bout de 21 minutes, c'est un bon quota. Donc, l'Empire de Russie. Faut quand même penser qu'au début, on était une simple petite. On était une simple petite royaume. Alors, les frontières, c'était Kiev, Moscou, la Carélie, l'Arganstank. La Tartaya, le Komi, le Baksanana et ça. Et au bout d'un moment, ça a grandi. On a battu le Khanat de Crimée, on a battu le Daghestan, on a ensuite envahi la Suède. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? On avait pris la Pologne, on a fait chier l'Allemagne en le prenant Königsberg. Ah, désolé, tu peux venir chercher la ville, mais ils sont tous croyants maintenant. Bah, ils étaient déjà avant. Et on s'est même farci l'Empire Ottoman. D'ailleurs, je pensais même pas que l'Inde spawn, que l'Égypte spawnerait. Moi, je pensais que l'Israël allait spawner. Bon, je les aurais laissés tranquilles. Ouais, bon, au moins ils ont une bonne, au moins ils ont de la gueule, leur armure. On va juste faire un point diplomatie avant de s'arrêter là. Alors, les Marathes sont alliés à moi. Ah oui, ils sont encore en guerre contre eux, c'est vrai. La Prusse, ouais. Non, en fait, la Slovaquie, elle m'appartient. Ah non, elle appartient à l'Autriche. D'accord. Donc l'Allemagne, elle, est alliée à moi et à bien sûr d'autres pays. Les Pays-Bas, eux, sont juste alliés à l'Allemagne. L'Angleterre, elle est alliée à l'Allemagne et à l'Autriche. D'ailleurs, l'Angleterre, je trouve qu'elle est en train de faire un peu la gueule. L'Espagne, elle est alliée à personne. Eh ben, bonne chance pour survivre, mon pauvre. Et l'Autriche, elle est alliée, alors, Autriche, Égypte. Oui, c'est vrai, ils ont fait une alliance avec l'Égypte. Ben, c'est une bonne idée pour survivre. Les Mamelouks, ils sont juste alliés à l'Autriche et à moi. Ah, c'est quoi ce nom? Fouroukichar, 44 ans, pieux, dépourvu de sens moral, beauté, circassienne. Splendide, obstiné et loyal, son maître, même jusque dans la mort. Oh yeah. Ça, c'est un peu malsain, on va pas dire. Alors, les Iroquois, ils sont liés à personne. Les Nations des Plaines, à personne. Les Inuits, à personne. Il y a juste des factions. Ah! Mantos est mort, c'est Polinki, 82 ans, qui prend la place. Ouais, bon, va faire peut-être qu'ils arrêtent de prendre des dirigeants vieux. Bon, ben. La prochaine série sur Empire va être dans longtemps parce que je voudrais bien finir Lego Indiana Jones 2 et bien sûr d'autres séries. Oui, bon, vous comprenez la logique. Donc j'espère vous aurez bien aimé cet épisode, camarades russes. Et je vous souhaite à la prochaine. Bye.